J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors si vous entendez des petits bruits, Jeanne est juste à côté dans son lit et elle est occupée de se réveiller parce qu'il est bientôt l'heure de manger. Ça fait 2h30 qu'il n'a plus mangé, donc là elle est occupée de râler un petit peu avec sa tutute en bouche. Désolée déjà pour les petits bruits, je vais vous montrer un petit peu les cadeaux qu'elle a reçus pour la Saint-Nicolas. Alors oui, on est quelques jours avant la Saint-Nicolas, je le conçois bien, mais Jeanne a déjà reçu quelques cadeaux que j'avais envie de vous montrer. Elle a reçu par sa mamie des sous, déjà qu'on a mis dans sa tirelire parce qu'on doit ouvrir un compte mais on n'a pas encore été à la banque le faire. Donc elle a reçu déjà des petits sous que je lui ai mis dans sa tirelire. Mais elle a déjà été gâtée pour cette première Saint-Nicolas, oui, elle a à peine un mois, elle a un mois demain d'ailleurs. Et elle a déjà été gâtée pour sa première Saint-Nicolas. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'on a reçu vraiment et ce qu'on lui a acheté. Donc moi je lui ai acheté deux petits nounours, deux petits jeux éducatifs comme ça pour d'ici quelques semaines, mois plutôt. Mais d'abord du site New Chic, on a reçu des petits produits pour Jeanne. Alors un truc qui n'a rien à voir déjà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Mais j'ai demandé ceci, c'est pour mettre dans mon hall d'entrée. Oui, couleur un peu jaune moutarde. Et ce sont vraiment en fait des petits paniers. Voilà, je vais les plier comme ça. Pour pouvoir ranger, il va être plus n'importe quoi. Moi, je mets un paquet de mouchoirs, les clés quand je rentre pour savoir où elles sont. Enfin voilà, je trouve ça hyper pratique. Donc ça c'était le petit truc en plus que j'ai demandé. Mais sinon tout est pour Jeanne. Alors deux choses, je vais vous les montrer juste ici. Je vais les inclure dans la vidéo parce que Jeanne est dans son lit et il y en a un dans son lit. C'est un tour de lit en forme de tresse. Donc vous avez plusieurs dimensions, plusieurs couleurs. Donc j'en ai pris un en forme de tresse pour mettre dans son lit rose et pour mettre dans son parc un blanc, et moi c'est les 2 mètres. Donc comme ça vous situez plus ou moins pour vos lits. C'est juste génial, je trouve ça super beau, super magnifique, et ça change d'un tour de lit classique évidemment. Ça ne s'attache pas hein, mais c'est quand même assez lourd, et moi je passe vraiment le bout des tresses dans les barreaux du lit ou du parc pour que ça ne bouge pas. Je trouve vraiment pas ça super cher parce que les tours de lit, les tours de parc, ça coûte une fortune. Enfin, sauf si vous prenez chez Kiabi comme celui que j'ai ici, mais j'ai été voir sur d'autres sites pour en avoir des beaux et ça coûte une fortune vraiment. Donc honnêtement, quand j'ai vu ça sur le site, j'ai demandé, ils sont arrivés impeccables, ils sont pas sales du tout, pas abîmés, il n'y a pas un truc qui dépasse. Franchement, c'est top ici, moi je les adore, c'est vraiment mes très très gros coups de cœur de cette commande avec New Chic. Ensuite, cette fameuse, il faut encore que je la repasse et que je la lave, hein. Cette fameuse gigoteuse qu'on voit partout évidemment, enfin c'est nid d'ange plutôt, gigoteuse, je sais pas trop, en forme de requin, voilà. Vous avez plusieurs coloris aussi, moi je l'ai pris en gris parce que c'était celle qui allait le mieux avec l'intérieur bleu marine. Vous pouvez l'attacher au maxi cosy à la poussette, donc vous voyez que vous avez des attaches. Franchement, je trouve ça super mignon, Simon a rigolé quand il l'a vu. Je trouve ça super mignon, super, super fun quoi, quand elle sera plus grande, parce que là elle est un peu grande. Et ensuite, bon évidemment là comme ça, pas gonflée, ça va faire un petit peu bizarre. Oh ma chérie d'amour, elle a pas vu sa tutu je crois. Ça va faire un petit peu bizarre comme ça, donc je vais vous mettre une photo juste maintenant. Et en fait c'est un matelas, une bouée gonflable, parce que on prévoit nos vacances avec la petite dans le sud de la France l'année prochaine. Et je trouve ça génial parce que vous pouvez vous mettre avec la petite, donc en même temps ça vous fait une petite bouée pour vous, pour trimballer et balader dans la piscine. En même temps elle s'amuse parce que vous avez des jeux devant elle et ça la protège du soleil, donc je trouve ça top. Ça coûte pas cher non plus, vous savez les sites chinois ça coûte vraiment pas très cher. Et je trouve ça vraiment hyper beau, donc quand on sera dans la piscine je vous ferai des photos évidemment, mais franchement la qualité est top. Simon l'a déjà gonflé et il n'y a pas une fuite, donc franchement c'est top. Et ensuite, avant de passer aux choses qu'on a achetées nous et qu'on a reçues vraiment de notre famille, on a reçu aussi pour elle de la boutique Me and Belle sur Etsy, donc je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. Elle a reçu des petites pinces pour ses cheveux qui sont trop choux, ça fait très vintage hein. Ils sont trop choux. Elle ralote, mais vous inquiétez pas, elle a sa tutute, il n'y a pas de souci. Un petit anneau de dentition comme ça en bois, moitié silicone. Hop, super joli. Mon chou, maman, elle a mon chat. Et alors, pour mettre au maxi cosy, à la poussette, tout ce que vous voulez. Ça, j'en avais déjà reçu un avec des petites étoiles. Ici, c'est en bois avec des petites montgolfières qui sont tricotées aussi. Voilà, c'est juste trop beau. Enfin, c'est... ça va pas forcément l'amuser, mais moi je trouve ça hyper mignon. Donc je vous mettrai la boutique en barre d'infos. Hop, mon chou.
Et alors, hop, je prends juste derrière vous, du site Your Surprise. Il m'avait contacté avant que j'accouche. J'allais dire avant de tomber enceinte, non, mais avant que j'accouche, il m'avait contacté pour que je puisse créer un coussin avec les informations de Jeanne, de sa naissance. Et elle est bien éveillée, donc je peux plus trop traîner. Donc il m'avait contacté juste avant la naissance de Jeanne pour que je fasse un petit coussin. Donc j'ai rentré les informations et voici ce que ça donne. Je trouve ça hyper joli. Donc je ne le mets pas dans son Tipeee. Enfin, j'ai pris avec l'imprimé Tipeee. Maintenant, vous avez plein de coloris différents et des motifs aussi. Moi, j'ai pris évidemment avec un Tipeee. Donc voilà, je trouve ça franchement super mignon. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais ma fille ne fait pas 47 cm parce qu'on a été chez le pédiatre la semaine passée et il l'a mesuré, elle fait 45,4. Et j'ai dit mais c'est pas possible, ma fille a rétréci alors, parce qu'ils m'ont dit à la maternité, à la naissance, elle faisait 47. Il dit non, elle fait 45,4, donc votre fille devait faire plus ou moins 43 cm. Donc voilà, sur tout, sur les faire-part et tout, tout le monde s'est trompé à cause de la maternité, donc... Merci la maternité, mais bon, c'est pas très très grave. Mais en attendant, sur son coussin il est marqué 47 cm, donc je pense que je vais recommander. J'ai eu un code promo de 15% je crois, donc je vais recommander avec 43 cm quoi, parce que franchement il est super joli. Il est pas très très rembourré, donc vous pouvez facilement mettre un deuxième coussin hein, si vous voulez qu'il soit un peu plus rembourré. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller acheter un coussin chez Ikea et remettre un coussin à l'intérieur. Moi je le mets sur mon canapé gris ici, enfin sur le petit fauteuil gris. Et franchement je le trouve super joli, la qualité est super belle, il n'y a pas, y a rien à dire. Franchement l'imprimé est super joli. Donc voilà, je suis très très fan, tout ça je vous mettrai en barre d'infos. Alors on va commencer par Tape à l'œil parce que c'est là où il y a le moins. Elle a reçu plein de choses de chez Tape à l'œil et Okaidi, de mes collègues, des collègues de Simon, etc. Pour la Saint-Nicolas et en même temps naissance et tout, donc voilà, elle est trop gâtée. Donc ça, je vais lui mettre pour sa Noël, je pense. Bon, je le mets ici dans ses cadeaux de Saint-Nicolas, mais je pense que je vais lui mettre pour sa Noël parce qu'elle est tellement belle que j'ai envie qu'on lui ouvre sous le sapin. Voilà, parce que mon sapin sera blanc et doré et donc j'ai envie de mettre cette petite boîte sous le sapin. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est la poupée de chez Tape à l'œil. Donc c'est leur collection Dream. Ils font des robes absolument magnifiques et cette poupée qui est trop belle. Les robes, ça commence à partir de 3 ans. Donc c'est un peu grand, je vais pas l'acheter maintenant quand même. Les robes sont au prix de 39,99€ il me semble. Mais j'ai pris la petite poupée qui est trop belle. Franchement elle est trop canon, vraiment trop canon. Et elle est au prix de 19,99€. Donc je trouve que pour un cadeau pour une petite fille, voilà, j'avais vu plein de poupées sur Amazon. J'hésitais à lui acheter une poupée et au final, ben voilà, elle aura sa poupée. Hop, je prends le petit vêtement de chez Tape à l'œil. Elle a reçu ce petit pyjama qui est trop chou. Ce petit pyjama avec un petit esquimau, il est trop beau, 14,99€. On m'a laissé les étiquettes et les prix au cas où je voulais échanger. Hein, donc comme ça, au moins je peux vous le dire. Regardez ça, c'est pas trop beau. Franchement c'est trop chou. C'est trop trop chou. Ce petit pantalon, alors la couleur déjà absolument canon. Je sais pas si vous voyez correctement la couleur. 14,99€ aussi en 9 mois. Le pyjama on nous l'a pris en 1 mois celui-là. Mais le petit pantalon c'est du 9 mois, donc ça pour cet été. Mais c'est une couleur trop canon. C'est quoi comme couleur ça? C'est un abricot. Je sais pas vous dire, un rose abricot très très pâle avec la petite ceinture à paillettes, le petit détail de la petite étoile là. Il est canon, ce petit jeans est vraiment canon. Ce petit pull en taille 3 mois, 16,99€, qui fait un petit peu indien comme ça ici. Il est trop beau avec des petits boutons dans le dos. Et ce pyjama en taille 6 mois mais que je trouve énorme. Je crois que pour Jeanne ça fait 9 mois ce truc. Là par contre on m'a pas laissé l'étiquette donc je ne saurais pas vous dire combien il coûte. Mais les pyjamas chez Tape à l'œil, celui-ci combien il était, 14,99€. J'ai généralement ça, hein, 14-17€ je pense plus ou moins. Donc il est trop chou. J'aime trop, vraiment trop beau. Donc ça c'est pour Tape à l'œil. Chez Obaby, elle a reçu vraiment pas mal de choses. Hein. On voit que les gens me connaissent en plus parce que niveau couleur, c'est tout moins. Hein. Sauf ces deux trucs là. Un petit pantalon gris comme ça. Bon, le gris, ok, c'est ma couleur. Combien était celui-là? Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, 19,99€ en 6 mois. Avec la petite ceinture bleue. Ça, c'est chou. Avec du bleu comme ça. Et pour aller avec, on nous a pris un petit pull comme ça. Bleu. Donc, à la base, j'aurais pas pris ça. Mais honnêtement, quand je le vois comme ça, avec le petit pantalon gris, ça donne bien.
en 6 mois, 22,99€. Voilà, il est super mignon avec les petits boutons en bois et c'est vrai qu'au final, ça va bien. Je me dépêche parce que je crois que ça va être difficile de faire la fin. Cette petite salopette qui est assez légère, en 6 mois, 19,99€, donc ça va. Elle est assez légère, donc ce sera pour le printemps en 6 mois. Elle est grise avec du moutarde, évidemment. Voilà, elle est légère, hein, celle-ci. Une petite blouse aussi, toute légère, dans le même motif. Mon chou ! On va finir donc la vidéo avec Jeannette. Donc la petite blouse qui est dans le même style, à 14,99€, en taille 6 mois. Franchement, les motifs, mais j'adore quoi. C'est super joli, super mignon. Elle est très fine, donc heureusement qu'ils m'ont pris 6 mois. Parce que elle est vraiment très petite. Je crois que ça va être la vidéo qui va me mettre le plus de temps à tourner en plus de séquences. Donc si la luminosité bouge et tout, désolée. Donc je disais, cette petite blouse-ci, elle est très très fine. Hein, donc 6 mois, ce sera bon. 14,99€. J'aime beaucoup le liseré bleu ici au-dessus. Et les motifs, j'adore hein, cette collection aussi, franchement, chez Tape à l'œil, pour qu'ils ont sorti ici cet hiver, c'est top. Elle est trop belle. Donc c'est une petite salopette robe en 3 mois cette fois-ci, mais elle est très épaisse, c'est du velours quoi. Donc 19,99€, elle est trop belle avec un petit choupiou dessus. Elle est trop belle. Franchement trop canon, ça va faire des super photos dans mon canapé hein. Ensuite ils lui ont pris un petit short trop beau et ils l'ont pris en 12 mois, donc ça c'est top, ce sera pour l'hiver prochain. Ça je la vois déjà bien avec des petites boots, des petits collants bien épais, son petit parka, sa petite veste et tout, ça va être trop chou. C'est une couleur, vous voyez, un petit peu plus claire à la caméra je dirais. Mais vous voyez, c'est pas du tout le jaune moutarde d'à côté. Voilà, comme ça vous savez un petit peu comparer, mais il est trop chou. Ce petit short est juste trop chou avec des petits boutons ici. Hop, voilà. Il est vraiment trop mignon, ça je le vois déjà très bien porté. Ensuite un petit pyjama, ça c'est plus pour maintenant. Ouais, en 3 mois, ils l'ont pris 17,99€. Hop, avec les pressions dans le dos celui-ci. Il est mignon comme tout, avec tous des petits points. Trop chou. Ma batterie est plate, super, je m'en veux pour ça. Et un petit toutou jaune qui va filer dans son parc, jaune, gris et blanc. Il est adorable. Franchement adorable. Est-ce qu'il y a le prix aussi de celui-ci? Oh ma chérie, 10€. Voilà, il est trop trop chou. Alors Simon vient de m'apporter à l'instant des petits chaussons qui ont été offerts à Jeanne par une de ses élèves, tout simplement, Simon. Donc Océane, si tu passes par là, je pense que tu passeras par ici. Je te dis merci, ils sont trop choux. N'hésite pas à mettre en commentaire où tu les as trouvés. Ils sont vraiment mignons. Je vais les mettre sur son petit... sur son petit coffre à jouets, ça donne très bien en déco aussi. Ensuite, d'un autre élève, de parents d'élèves, elle a reçu ce petit jouet éducatif de la marque Tommy. C'est un nœud surprise et il y a vraiment, ouais, c'est vraiment un gros nœud avec plein de choses, une balle, voilà, avec un petit peu qui fait du bruit ici, des petits anneaux là, un petit pouette-pouette, un petit miroir, enfin voilà. Vraiment un petit nœud éducatif avec plein de choses. Ça c'est super mignon avec un petit crochet, ça va accrocher partout. Et ensuite ce que nous on lui a acheté pour sa Saint-Nicolas, en premier je lui ai pris ce petit hippopotame que j'adore vraiment beaucoup. Ah, je l'adore, il est trop chou. Oui, tout de suite. Et donc quand je l'ai acheté, je l'ai allumé et il a fait cette chanson là. Et franchement la chanson m'a bouleversée vraiment. J'ai eu la larme à l'œil. Bon, ça doit être la chute des hormones, etc. Hein, ok, on est d'accord, ce petit hippopotame normalement on n'est pas censé faire pleurer. Mais elle a le ok. Mais quand il dit si tes petites dents te font mal, moi je suis là pour t'aider. Je trouvais ça tellement adorable comme petite phrase. Et donc du coup mon cœur de maman a parlé et ça m'a fait chialer. Donc voilà, c'est un petit hippopotame de chez VTech. J'ai pas payé grand chose sur Amazon, il était à une dizaine d'euros. Et voilà, vous avez les petites pattes souples qui est amordillée. Il est adorable. Franchement, il a une bonne bouille quoi. Franchement, il est trop beau. Vous avez le bouton qui est lumineux.
Ah oui, le module ici au milieu est détachable pour faire une sorte de hochet. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir cette musique non-stop mais que votre bambin adore cette hippopotame, vous savez enlever la musique au milieu. Il y a différentes matières, vous avez 20 chansons, 20 mélodies, 100 sons, 100 phrases. Donc voilà, il est adorable. Et oh, j'ai mal aux jambes, on va s'abaisser de nouveau. Je me rends compte que maman est youtubeuse et voilà, ça devient très compliqué. Déjà, se laver, faire la vaisselle en une seule fois, aller à la toilette, ça devient très compliqué. Vous verrez, si vous n'êtes pas maman, vous verrez, vous comprendrez ce que je dis. Et alors j'ai acheté Joséphine Caline tout récemment. C'est pour de 3 à 6 mois et c'est aussi sur Amazon que je l'ai payée. Elle est un peu plus chère que l'hippopotame, mais pas grand chose. C'est 20 euros maximum, il me semble. Et celle-ci, les formes sont pivotantes. Donc vous avez le petit carré ici qui est pivotant. Et alors vous avez des boutons ici, pression 1, 2, 3 et ABC. Vous avez 30 chansons sur celle-ci pour apprendre les formes, l'alphabet. Mais elle a roté là. les formes, l'alphabet jusque ABC évidemment. 1, 2, 3. Et voilà, elle est juste trop mignonne aussi. Regardez, on va l'allumer un petit peu. Elle fait caca. Il y a des drôles de bruit. Et comme je parle en même temps, je suis pas sûre. Voilà. On va pas. Lequel des deux elle préfère. Mais franchement, les deux sont vraiment un drame. Moi, j'ai une petite préférence pour l'hippopotame, je vous avoue. La petite vache, un peu moins. Mais en plus, la petite vache, on dirait une vache Milka. Vous savez, la vache mauve et blanche. On dirait une petite vache Milka, comme à la télé. Et comme la marraine de la petite m'appelait Milka pendant que j'étais enceinte, si tu passes par là d'ailleurs, je te remercie de m'avoir appelé comme ça. Voilà, j'ai trouvé ma petite vache Milka pour Jeanne. Donc voilà, on est super contents. Donc voilà, tous ces petits cadeaux de Saint-Nicolas, elle a été super gâtée en vêtements. Heureusement, ils m'ont pris des tailles, des grandes tailles, j'ai envie de dire. Bon, il y a du 1 mois, il y a du 3 mois aussi, mais je veux dire, c'est 6-9 mois en général. Le short 12 mois, donc ça c'est top. Ils ont vraiment bien fait attention au niveau des saisons, donc ça c'est vraiment cool parce que parfois on est obligé d'aller changer parce que les gens, ben voilà, ils sont pas dans le cas, donc ils réfléchissent pas non plus à savoir, tiens, elle est née à telle date, comment ça va se passer, enfin voilà. Donc ça c'est top et surtout les tresses du site New Chic, franchement c'est un énorme coup de cœur. La bouée, ça je pourrais vous en parler évidemment au mois de juillet pendant les vacances. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat, à mon avis je vous montrerai plus ça sur Snapchat. Tout est en barre d'infos évidemment à chaque fois. Et donc voilà, mis à part ça, voilà, j'ai hâte de mettre sa petite poupée sous le sapin. On va chercher notre sapin samedi. Donc voilà, comme on dit, on va aller chercher samedi. Et donc voilà, c'est sa première petite Saint-Nicolas. Elle est déjà bien gâtée, à peine un mois de vie, cette petite poupée là. Donc merci pour tout, pour tous vos commentaires, pour tous vos suivis partout, pour tous vos j'aime qui sont de plus en plus nombreux sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram. Si on approche des 5000, je suis super contente. Ça peut paraître bête, mais je suis hyper contente d'arriver aux 5000 sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, tout est en barre d'infos. Et je suis en train de me dire que j'adore cette blouse. Mais ça, je vous en reparle parce que ça vient du site Rose Gall. Mais ça, je vous ferai une vidéo spéciale parce que j'attends encore un article et je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle et en plus, avec cette blouse, je vais vous montrer, elle est ample, donc on voit pas mon ventre de grossesse. Voilà, elle est ample, donc on voit rien. Et ça, je suis contente, parce que du coup, je peux porter et ne pas faire attention à mon ventre, voilà, parce que j'ai encore un petit ventre de grossesse, donc du coup, voilà, je suis bien contente pour ça. Bon, je range tout ça, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je m'occupe de mademoiselle qui me réclame. À bientôt!